J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers. Thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler des fonds de teint compacts. Donc, j'ai une petite liste des fonds de teint poudre compacts moyenne à haute couvrance. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo, c'est la deuxième partie. J'ai fait une liste des fonds de teint liquides. Maintenant, je vous invite à rester sur ma vidéo pour voir la liste que j'ai, tout simplement, si vous êtes intéressé. Sans plus tarder, je vais prendre ma liste. Donc, la première marque que j'ai, c'est la marque de Bobbi Brown. Bobbi Brown, donc, c'est vraiment une marque pro, une valeur sûre. Leurs fonds de teint compacts sont vraiment des fonds de teint vraiment de bonne qualité. Donc, c'est la marque que je vous conseille. Couvrance moyenne à haute couvrance. Vous avez vraiment un fini, mais très, très velouté. Sur ce fond de teint, ils ont vraiment une variété de couleurs. Donc, je vous invite à aller tester leur fond de teint. Après, j'ai la marque Makeup Forever. Leur poudre est vraiment agréable sur la peau. La variété de couleurs est là. C'est vraiment une poudre que j'ai utilisée pendant 2 ans. Ce que j'aime sur cette poudre, c'est que, en fait, sur toutes les poudres, non, pas sur toutes les poudres, Bobbi Brown, vous n'avez pas besoin d'utiliser un fond de teint liquide. Vous pouvez juste l'utiliser seul et ça va vous donner vraiment une très bonne couvrance. Ce fond de teint aussi de la marque Makeup Forever, c'est la même chose. Vous pouvez prendre un pinceau kabuki, un petit pinceau kabuki de fond de teint et juste vraiment travailler le fond de teint sur votre peau. Vous allez voir que ça va vraiment vous donner même une haute couvrance. Très, très bon produit. Ensuite, vous allez être surpris. Oui, je l'avais mis sur ma liste des fonds de teint légers, fins. Mais j'ai remarqué, j'ai essayé 2 ou 3 fois, j'ai remarqué que c'est une couvrance moyenne et c'est de la marque, le fond de teint de la marque Primark, le PS My Perfect. Malheureusement, sur ce fond de teint, sur leur collection, ils ont peut-être 3 ou 4 fonds de teint pour les personnes de peau ébène, peau foncée. Mais si vous trouvez votre bonheur, si vous pouvez le trouver, le tester en magasin, vous n'allez pas regretter. C'est vraiment un fond de teint qui a le fini genre comme du beurre. C'est vraiment velouté. Ça vous donne vraiment une couvrance moyenne. Si vous le travaillez un peu plus, je pense que vous aurez un peu plus de couvrance. Mais oui, je le mets sur cette liste-là parce que c'est un fond de teint que j'utilise et je l'ai ici chez moi. Donc voilà. Après, j'ai le fond de teint poudre de la marque MAC. Alors, je vais la mettre sur cette liste-là. C'est un fond de teint que je n'ai pas acheté, ça fait très longtemps, mais je pense que je dois le mettre sur cette liste-là. Je suis juste un peu mitigée parce que, je sais pas, j'ai remarqué que ce fond de teint, en fait, il s'oxyde. Et j'aime pas même leur fond de teint liquide. Mais après, ça reste quand même une belle texture, une couvrance très, très jolie. Donc voilà, je mets sur cette liste-là. Si vous trouvez votre bonheur, achetez-le. Il est bien. Voilà. Après, je vais parler d'un fond de teint qui est très, très populaire sur pour les personnes qui ont une peau mature. Elles adorent ce fond de teint. Et aussi sur ce fond de teint qui est adapté pour les personnes qui n'aiment pas trop se poudrer le visage ou qui n'aiment pas tout simplement se maquiller. C'est de la marque Bare Mineral. Donc, ce fond de teint-là, il donne une couvrance moyenne. Vous devez vraiment travailler le produit avec un pinceau qui est bien adapté pour ce fond de teint. Sinon, c'est un fond de teint génial. Ça donne vraiment un effet très, très naturel, très joli. Après, j'ai la marque Urban Decay. Leur fond de teint, j'ai oublié le nom de leur fond de teint, mais je mettrai tout ici. C'est un fond de teint que j'ai utilisé, j'ai acheté 2 fois. Ça fait très longtemps. Je l'ai mis sur cette liste-là parce que je ne sais pas trop. En fait, j'ai vraiment aimé le fond de teint, mais je ne sais pas s'ils l'ont toujours. S'ils le font toujours, je suis pas trop sûre si vous pouvez toujours le trouver sur le marché ou bien sur les boutiques, dans les boutiques Sephora, tout ça. Mais en tout cas, moi, vraiment, j'avais beaucoup aimé ce fond de teint-là. Donc, je vous le recommande. Une très belle couvrance, un fini très joli, très soyeux sur la peau.
je vous le recommande. Et en tout dernier, j'ai un fond de teint que je portais, ça fait au moins 3 ans. Maintenant, on le trouve que sur eBay et peut-être Amazon quelquefois. Et il n'est plus sur le site. En fait, c'est de la marque NYX. Excusez-moi, NYX. Et le nom, c'est NYX, N-Y-X. NYX Cosmetics. Et le nom, c'est Stay Matte, Not Flat. Ce fond de teint-là, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? D'abord, parce que j'avais un fond de teint qui correspondait à mon teint. Donc, je l'ai beaucoup porté. Mais après, ils l'ont discontinué. Il était en rupture de stock et après, ils ont juste arrêté de le vendre. Je ne sais pas si c'était quoi le problème. Et j'ai retrouvé 2-3 fois sur eBay. J'avais racheté. J'ai trouvé aussi au marché. Donc, j'ai encore acheté. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup une couvrance moyenne à haute. Il faut vraiment bien travailler le produit. Donc, voilà, c'était ma petite liste. Après, sans vous mentir, je n'ai pas utilisé tous les fonds de teint. Compact, mais je pense que ces fonds de teint là sont vraiment des fonds de teint qui vont vous donner la couvrance nécessaire. Donc j'ai fait cette liste là parce que les autres fonds de teint ne couvrent pas assez en fait, ne couvrent pas assez d'autres marques en fait. J'en ai testé d'autres, mais je pense que ils sont. Je peux pas vraiment les mettre sur cette liste là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à les tester en magasin ou achetez-les. Pour tester, vous n'allez pas savoir si vous ne testez pas. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous a aidé. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.